Elle allait prendre la nourriture. Et quand on sait la viande, c'est hors terme dans la petite. Sa propre viande. Ils ont donné hors terme la petite. Elle vient les dénoncer. La petite fille, Diallo. Elle pense que j'allais donner tête. C'est hors terme. Et ils m'ont donné petit comme ça. Vous connaissez les pas d'Abouti. C'est ce qu'on a petite. Oui, elle ne voyait donc. Donc, pied mangé. Oui, il est comme ça. Elle est ça. Là-bas, ils sont méchants. Oui, petite patte. Oui, donc, la fille, elle est où dénoncer? Elle peut la dénoncer, les gars. Oui, mais c'est bon, ça nous dit. Ça nous dit. Toi, tu manges bien là-bas. Hein? Oui. Bon, oh, Lilé. Tu as maillé la tête. Oui. Et puis quoi? Bras. Bras. Oui. Hein? Oui. Pied. On dit non, mon bon goût. Les mêmes vidéos. Oh, ils sont. Tu fais ça comment? Sauce? Non. Non. Toi, tu. Il braise. Toi, tu braises. J'ai le bon temps de nous aider. Lui, c'est chap-chap. Il n'a pas le temps d'aller, non? Vois la femme bourreau pour payer le chien. Tomate, gombo. Comment tu peux braiser? Le feu sort. Il fait un feu. Tu vois comment? Parfait. Puis ça vient. Oui. Puis t'assois, tu braises ta viande. Et tu manges. Vous ne voulez pas vous donner à Dieu. Allez, la voyage. C'est un enfant qui va vous manger. Il est bon, il va vous mettre un chef gain. Oui. Et pour vous, tomate, tomate. Oui, tomate. Viens vous manger. Oui. Et tu as mangé au boulot. Et pourquoi? Il t'a fait quoi? Quand on est dans la cour, hein? Il crie sur nous et puis il parle sur nous. Ah! Il crie sur toi? Oui. Il dit quoi? Souvent quand on joue dans un besoin, il vient et puis il nous tape. Il vous tape? Oui. Donc tu as dit, bon, ok. Pendant que tu m'as tapé là. Je t'ai juré la nuit. On a tri, on trop. Et trop, ça m'a dit. Il n'y a pas un enfant, hein. Vous voyez quoi? On a qui tentait de ronfler. Où tu es là? L'enfant rentre. Donc, comment tu as fait pour le tuer? Tu es rentré dans sa maison? Oui. Comment tu es rentré? Je suis rentré par le mur. Comment tu as fait? Je suis rentré dans la maison, puis je suis sorti dans la maison. Hum. Et lui, maintenant, il a pris son âme à cacher, puis il a piqué, puis sa tête, et puis il a coupé son bras, et puis sa puce, elle s'est pris, puis elle a brisé, puis elle a bougé. Tu as brisé ta magie. Parce qu'il t'a insulté. Et tu as tué combien? J'ai tué une personne et j'ai trois personnes. Donc tu es dangereux. Tu es dangereux. Tu es dangereux? Je ne suis pas trop dangereux. Mais un peu dangereux. Mais tu es un peu dangereux. Un peu seulement. Oui. Il n'est pas trop. Mais tu es un peu dangereux. Oui. Mais toi, tu braises. Oui. Et quand tu rêves quelqu'un, tu peux le tuer. Quand tu rêves les gens, tu peux les tuer. Hum? Oui. Comment tu fais? Et puis, attention à papillon. Oui. Et puis tu fais quoi? Tu voles âme. Tu t'envoles, tu te prends âme. Et puis, un petit peu. Hein? Il est piqué. Ah, tu fais papillon et puis tu les piques. Oui. Et puis tu fais quoi? Et puis là, tu te prends tête, bras, cuisse. Mais toi, tu aimes tête, bras, cuisse et pieds. Toi, tu es ici. Toi. Elle est quoi? Elle est quoi? Doucement. Je ne suis pas en train de jouer la comédie. Eh, stop! C'est moi qui t'ai appelé ici. Tu fais quoi ici? Il a pas de bien. Il a initié. C'est déjà ici, il est avec lui. Tu les as initiés ou ils disent? Oh là-bas.
Oui, il y a un bassin, mais ils vont gagner un peu, il y a un bassin. C'est eux qui disent ça. Toi, tu veux pas sorceller? Il va aller Goukan. Attends. Tu peux pas sorcellerie. Oh, on peut goûter. Je ne sais plus. Ok. Pourquoi? Il a voulu ça. Ils n'ont pas goûter. J'ai tout mangé, c'est fini. Mais sinon, c'est là. Vous comprenez? Hein? Moi, je pense que je ne mange plus, donc c'est fini pour moi. Okay. Mais c'est les gens qui disent que je suis encore dedans. Parce qu'on a cassé ça. On a cassé ça. Vous m'avez donné le divin. Oh, je demande. Oh, bah, oh, écoutez, oh, c'est bon, on va bien. Elle dit oui. Oui. Je crois qu'elle ne va plus manger l'homme. Eh, ben, on a dit quoi? Donc, je sais que. Elle n'a pas le pouvoir de manger. On est une aide à des. Elle ne peut pas manger. On a des effets. Mais tu ne veux même pas l'église. Oh, il parle souvent. Il ne mange pas bien. Mais tu fous quoi ici? Comment tu as retrouvé? Il a des effets là. On m'a mis sur le vélo. Même chose la vélo, on t'envoie. Alors, pas de voir ça, non. Voilà, pas de vous, ça n'a pas de vous. Voilà, pas de vous, ça n'a pas de vous. Pas de vous. Toi-même là, hey, tu faisais sorcellerie, on a levé ça. Hé, hey, stop. Tu faisais sorcellerie, on a levé ça. Tu vas venir à l'église. On va pas dans le goût à ça, mon nom. Et à l'église, pas de vous. Non, comme elle n'arrive pas à bien manger, c'est ici qu'on guérit les malades. Ici là, on soigne les malades. Il faut lui dire ça. On va voir, plus là, il y a quoi? J'ai compris. C'est pour ça que je suis ici. Va t'asseoir. On me connaît. Oui, il y a les malades. Ça va? Tu veux qu'on te délivre? Oui. On a qu'à t'annuler la sorcellerie. Oui. Tu es sûr? Oui. Soulevez-le. Voilà, amenez-le la délivrance. Vous êtes sorcière? Oui, je suis sorcière. Tu as fait quoi et quoi? Donnez les chaises aux mamies là. J'ai détruit. Hein? J'ai détruit. Faut expliquer. Bon, j'ai tué mon père. Hein? Avant de tuer mon père d'abord. Oui. Je lui ai fait un lavage de cerveau. Mmh. Je voyais ses oreilles avec une plume. Mmh. Il a jeté, j'ai ramassé. J'ai gardé. Oui. Tu as fait quoi? J'ai ramassé, j'ai gardé. Quoi? Sa plume. Oui. Pour que si là il y a l'église, que sont les voyants, ceux qui voient, ils disent que ta fille veut te tuer. Si là il va à la maison, qui vous biche. Mmh. Donc c'est comme ça que c'est passé. Maintenant, pour te tuer, je suis allée dans mon village. Ils sont allés pour aller boire un poutin. Ils sont venus leur sauver. Mm-hmm. Leur sauver. Mm-hmm. En sachant qu'ils l'ont tué. Mm-hmm. Maintenant, j'ai gâté la vie de mes frères, de mes soeurs. Mm-hmm. À cause de moi, mes soeurs ne se marient pas. À cause de toi, ils ne se marient pas? Oui. Et donc, elles sont là, elles ne se marient pas? Oui. D'accord. J'ai une de mes soeurs de l'autre côté là-bas. Elle est ma femme de l'autre. Quel autre côté? Ah. Dans le monde spirituel. Tu as Kiki là-bas? Oui. Comment tu fais ça? Et t'as trois femmes à plus. Bah, essaye de faire moi. Une, deux, trois. Et ça sort. Et ça sort. Combien de mètres? 2 mètres. Hein? 2 mètres. 2 mètres. Oui. Les kikis de sorcellerie? Ah bon, hein, vous savez qui c'est là, vous? Donc, mettez ça. C'est pas pour venir te caresser, c'est pour te tuer. Oui, non, quand on va dire, mon travail. Et tu couches avec elle?
et me couche avec elle. C'est ce qui vous donne pour votre demande là. Oh non, pour vous. Souvent j'ai l'impression qu'il y a un fibrom. À mon yin en gomme, quand l'esprit est chacun en vous, c'est pas. Oh, mais il y a eu. Avec un homme, avec un homme. Ça vous donne un 10. Donc vous voyez que vous avez fréquemment la visite des esprits dans le rêve. Ça vous avez, souvent il prend le visage de la personne que vous avez vu. Il vient faire l'amour avec vous. Oh non, il a pour quand. Si vous voyez ça en rêve, faites-vous délivrer. Ça n'existe pas, Marie de nuit. On dit Marie esprit, ça veut dire quoi? C'est un esprit qui t'a épousé. Quand tu vas commencer à avoir des relations sérieuses, ça vient, ça gâte. Si tu fais des rapports dans le rêve, c'est que c'est un problème. Couche avec elle. Oui, je couche avec elle. Et tu as quel plaisir? C'est pour gâter son mariage. Mm-hmm. Maintenant, après ça, je vais faire porter un masque. Un masque? Oui, sur le visage. Mm-hmm. Pour ne pas que, bon, les hommes l'approchent, mais au moment où il veut faire du sérieux. Le portail orange, bonjour. Au correspondant, il ne peut pas te joindre. Je suis donné son masque. Il se bouge. Il se bouge. Donc, c'est ce que j'ai fait dans la vie de ma soeur. Maintenant, dans la vie de ma mère, elle, comme elle travaille, je suis allée. Elle travaille pour les hommes, je suis allé chier sur sa table. Pourquoi elle se tombe dans les chiffres? Elle fait quoi? T'as fait quoi sur sa table? Je suis allé chier sur sa table. Elle est une chieuse. T'as chier sur la table. Pourquoi elle se tombe dans les chiffres? Elle se tombe dans les chiffres. Oui. Mm-hmm. Pourquoi on l'emprisonne? On l'emprisonne. Oui. Mm-hmm. Maintenant, on a la maison. Depuis qu'elle a pris mon affaire sur Seigneur, elle prie beaucoup, donc elle me gêne. Mm-hmm. Moi, j'ai pris une sérène. J'ai mis un liquide de la tension et je l'ai piqué ça la nuit. Donc elle a tension, elle a eu la tension. Elle a eu la tension. Et malgré ça, elle doit pas continuer de prier. Mm-hmm. Souvent à la maison, elle est moins qu'on discute. Très souvent, on est à la maison, on ne s'entend pas. Elle ne peut pas vous attendre, c'est pas possible. On discute et chie sur la nourriture. Mm-hmm. On fait du mal à mes frères et soeurs, mm-hmm. dans la diarrhée, d'autres tombent malades. Mm-hmm. À la maison là-bas, pour avoir, comme de l'autre côté, je suis la deuxième reine, pour avoir assez, pour que les autres esprits aient assez à la maison. J'ai pris le sable de la maison, puis j'ai envoyé ça dans mon monde spirituel. Le sable de la maison? Le sable de la maison. Que tu as envoyé? J'ai envoyé ça, j'ai mis dans une bouteille, mm-hmm. et j'ai envoyé ça dans mon monde spirituel. Mm-hmm. J'ai envoyé ça sur mon tour, mm-hmm. de l'autre côté là-bas. Mm-hmm. Maintenant, au moment où je suis fatiguée, il fait appel aux autres. À partir de 15h, pour se réunir à minuit, la sorcellerie. Donc, là, actuellement, la maison, il n'y a pas porte, il n'y a pas fenêtre. Tout est fermé. Il n'y a pas mur. Mm-hmm. Les esprits ont accès facilement à la maison. J'ai installé ma caméra à la maison. Comment vous installez les caméras? C'est au coin de la maison qu'on installe les caméras. Comment ça? Partie? C'est dans le couloir. Dans le couloir. Tout le monde passe par là. Mm-hmm. Tout le monde. C'est par les yeux que moi j'ai installé ma caméra. Quand tu fixes? Je fixe le coin de la maison et j'installe ma caméra. Mmh. C'est comme ça que j'ai fait. Mmh. Pour installer ma caméra. Pour que tous ceux qui sont à la maison puissent passer. Maintenant, à l'entrée de la maison, j'ai mis un filet là. Si tu sors que tu as peut-être un embauchement, soit on doit t'embaucher pour aller d'un endroit. Une fois que tu arrives à la maison, que tu dépasses la porte, on t'oublie. Tu dois travailler. Qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, dans la vie de mon frère, j'ai pris son âme, j'ai appelé son âme trois fois, je l'ai attaché. Je voulais le rendre fou, comme ça ne marche pas. Donc maintenant, je vais le tuer. Tu l'as tué? Non, il devait faire ça en décembre, mais le 15 décembre. Mais j'ai dit ça à ma maman. Et ah, voici ce qui se passe. Donc elle a cherché un point chez un homme de Dieu. Ouais, elle a installé là-bas pour faire ses prières. C'est ce qu'elle a fait. Mmh. Maintenant, dans la maison, j'ai tout mon matériel là-bas. J'ai mon miroir là-bas à la maison. Mon canal. Tu fais quoi, le miroir? Je communique, je peux voir de l'autre côté là-bas pour prendre les informations, pour me renseigner. Mais la caméra joue quel rôle? La caméra, ça, c'est pour ceux qui sont à la maison.
Tu laisses, tu contrôles. Si je ne suis pas là, je sais ce qui se passe. Grâce à la caméra. Ma tante aussi, celle qui m'a initiée, elle aussi, elle sait ce qui se passe aussi à la maison, grâce à la caméra. Maintenant, mon miroir, il sert à communiquer de l'autre côté. Souvent, si je ne vais pas là-bas, mon miroir me sert à prendre des informations de la maison. C'est ce que je fais. Maintenant, après cela, c'est comme j'ai fait les ouvertures, j'ai une de mes soeurs. J'ai une de mes soeurs. Celle qui m'a invité, c'est elle qui, bon, qui soit elle dans le monde spirituel. De l'autre côté, à cause de ça, elle n'est pas mariée. Oh, tu as bien dit. Non, ça c'est une autre soeur. C'est une autre soeur. Ça va être ma tante qui m'a invité, soit avec elle dans le monde spirituel. Non, elle aussi n'est pas mariée. En fait, c'est pas bien pour qu'elle aille en Europe, ça échoue à cause de tout ça. Mais quand j'ai fini de commander ça, j'ai fini de tuer mon père en train de me garder. J'ai fait une semaine de maladie. Parce que de l'autre côté là-bas, j'ai gêné. J'ai fait une semaine de gêne sec pour avoir accès au tournant. Maintenant, chaque 15 janvier, 15 mai, 15 septembre, moi et ma tante, on va renouveler le pacte avec. Chaque 15 janvier, 15 mai, 15 septembre, moi et ma tante, on s'en va au bord de la mer pour renouveler notre pacte avec la sirène de Dieu, au bord de la mer. Elle et moi, nous deux. Parce que souvent, quand on va dans le combat, on perd souvent la puissance du monde. Donc, on va là-bas pour charger la bataille. Donc, tu es forte. Oui. Tu as quel pouvoir? Comment? Amen. Feu! Feu sur toi! Feu, allez! Feu! La puissance de Jésus. Je détruis ton pouvoir dans ce corps. Je détruis ton pouvoir dans ce corps. Dans le nom de Jésus-Christ, je maudis ta présence, puissance de la sorcellerie, puissance de feu, feu, allez, 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 feu, allez, le feu sur toi, le feu sur toi, le feu, je détruis ta présence. J'ai détruit ta présence. Fais-le! Fais-le! Le feu sur toi! Lâchez bien le pain. Lâchez. Le feu sur toi! Le feu! Je maudis ta présence. Allez! Le feu! Le feu! J'ai détruit ton pouvoir. Puissance de la sorcellerie. Puissance de la sorcellerie. Allez, rentre comme un serpent. Allez, rentre, allez, rentre. Rampez. Rampe. Rampe. Allez, rampe. Elle a fatigué un peu, elle a délivré. Comment t'as-tu allé parler à Sirène des eaux? C'est ta camarade ou bien? Rampe ici. Allez ici. Rampe. Suis-moi, allez, rampe, allez. Rampe. Rampe! Allez, rampe! 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 Vous avez peur? Vous avez la même chose? Une personne sur le qui mange déjà. Allez, c'est toi! Toi. Allez, rentre. Elle a fatigué un peu. Comment tu peux aller fatiguer, manger ton papa?
Reviens derrière, voilà rien. Rampe. Allez. 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 Reviens derrière. Derrière. Pas devant, derrière. Voilà, derrière. Voilà. Vous pouvez tout avec la puissance du Saint-Esprit. Je mets le feu dans ta poitrine. 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 Couche-toi sur ton dos. Allez, sur ton dos. Fais dans ton dos. Allez, fais. Fais, Ouzou. 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 Dans ta poitrine. Dans ta poitrine. Le feu. Le feu dans ton ventre, je neutralise le pouvoir de la sorcellerie dans ton ventre, dans ta poitrine, je neutralise la puissance de la sorcellerie dans ton ventre et dans ta poitrine, je neutralise le pouvoir de la sorcellerie dans ton ventre et dans ta poitrine, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vous devez avoir la force du Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit en vous, c'est une force que Dieu vous donne. Quand vous commandez à quelque chose, la chose obéit. Vous obéit. Amen. Oui. Venez. Je te communique cette force du Saint-Esprit. Ça sera désormais une âme puissante. Le royaume des ténèbres. Une âme encore puissante. Je te communique la force. Afin de renverser le royaume des ténèbres autour de toi. Aucun démon ne pourra désormais te résister. Que soit la puissance de Dieu. C'est un dépôt de la puissance de Dieu en toi. La puissance de Dieu. Oui. Ça serait les paroles fortes, les paroles fortes. Dieu restaure ta vie. Avec cette présence. Oui, la puissance. Je te communique cette force de Dieu. Que ce soit la puissance de Dieu. Dieu te bénit. Maintenant, la puissance de Dieu. Quand tu vas commencer à parler, les choses iront bien autour de toi. Fais aller! Lâche-la! Allez! Lâche-la au nom de Jésus. Tu vas la libérer. La puissance qui est dans le nom de Jésus. Libère-la. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, mets-toi en genou. Mets-toi en genou. Mets-toi en genou. Mets-toi en genou. Oui, maintenant même. Tu reconnais la puissance. Oui, de Jésus. Voilà, vous voyez. Quelque chose en train de se passer en elle. Vous voyez la dalle? Ouais, c'est un dépôt. Voilà. Qui veut ça? Amandina. J'ai chargé sa vie. J'ai chargé sa vie. Et ça, c'est dit.
Elle va passer sur un visite. Alléluia. On ne pourra plus la voir. Chaque homme de Dieu a sa grâce. Dieu sait comment il travaille chacun d'entre nous. Voilà. Les gens, quand ils appellent Dieu, Dieu descend. Parce que c'est une alliance. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est pour ça qu'il va griller le corps, l'être humain. Il va mettre des oreilles. Les oreilles servent d'entendre. Il va créer la bouche. Sa palme et sa main. Il va créer les yeux. Ils n'ont pas la même fonction. Amen. C'est comme ça. Dans le corps de Christ, chaque homme de Dieu a sa spécialité. Il y a gens, la sorcellerie il peut ne pas régler parce que ce n'est pas son domaine. Quand un spécialiste prend le sujet, quelques minutes, c'est réglé. Amen. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Deuxièmement, vous savez où régler le problème. C'est l'onction qui est chez ma vie qui est monté. Élisée était mort. Ses ongles étaient morts. L'onction de Dieu était sur les ongles d'Élisée. C'est ce qui est en toi. Il devait comme un manteau. C'est ce que tu communiques. On ne communique, on ne donne que ce qu'on a. Je t'assure, c'est un don que tu viens de recevoir. Tu veux ça aussi? Communique la force de Dieu. Depuis ta tête jusqu'à les plans de tes pieds. La puissance de Dieu. Une force de Dieu. Depuis ta tête jusqu'à les plans de tes pieds. La puissance de Jésus-Christ. Je te communique cette force de Dieu. Et vous allez commencer à voir. Vous allez commencer à voir que. Vous allez commencer à voir, dans ces temps conçus, tu vas commencer à ouvrir vos yeux. Tu vois les choses. Reçois la force de Dieu. Laisse-la. La puissance de Jésus. Dieu vous bénit. Recevez la grâce de Jésus. Aimez l'onction de Dieu. Le jour où vous ne sentez plus la. Vous ne voyez plus vous sentez l'absence de la puissance de Dieu. Commencez à pleurer. Parce que David a dit, ne m'arrache pas ton esprit. Quand vous lisez le psaume 51, vous comprenez l'homme à qui Dieu a arraché son esprit. Quand Dieu a arraché le Saint-Esprit à Saül, Dieu l'a livré à ses ennemis. Ce dont le diable a peur, c'est la présence de Dieu en toi. Et l'onction, ça se renouvelle. Oui, c'est la différence entre nous et le diable. Parce que dans la présence de Dieu, l'onction se renouvelle. Oui. Jésus dit, une force est sortie de moi. Amen. Tu as quelqu'un qui a l'onction de Dieu. Allez, en genoux. À genoux. La bobine. Come on. Allez. Allez. Je détruis ton pouvoir. Puissance de la sorcière. Je détruis ton pouvoir. Couche-toi sur ton ventre. Allez, couche-toi. Allez, sur ton ventre. Sur ton ventre. Je déclare au Seigneur. Maintenant, pousse ton cri et pars au nom de Jésus. Pousse ton cri et pars au nom de Jésus. Pousse ton dernier cri et pars. Amen. Faites partie de l'armée de Dieu. Dieu cherche des hommes et des femmes pour affronter le royaume du diable. Pousse ton dernier cri et pars.
Voilà. Pousse ton cri. Garde le menu. Et va-t'en. Le menu. Pousse ton cri. Garde le menu. Et pars. Le menu. Je vois comme un serpent python en elle. Et bien, python, quoi, oui. Il va partir. Magie. Vous les sorciers, vous voulez délivrer? Hein? Vous voulez plus manger la viande? Mais c'est doux, non? Hein? Ah ben, dis. Et puis vous les laissez. Comment? Pousse ton cri et va. Garde-moi. Pousse ton cri et va. Garde-moi. Va-t'en. Oui. Va-t'en. Oui. Va-t'en. Oui. Au nom de Jésus. Oui. Au nom de Jésus. Oui. Au nom de Jésus. Oui. J'étais à Sokosi. Oui. Et puis un Libanais qui est venu. Le Libanais, oui. Il dit, ça fait deux fois qu'il est remarqué. Qu'on soit bien. Quand tu me dépasses. Tu viens de. Il dit, tu es possédé. Il dit, hein, il était posé, il savait de quoi, il dit, mais tu as les démons. De je l'ai montré à Armel, il est venu me saluer la dernière fois. Et donc, il dit, je t'ai remarqué. Non, monsieur, vous êtes qui? Il dit, je suis le prophète. Ah, là, on a un prophète. C'est lui, il dit, Jésus. Ah, bon, quoi? Je lui ai dit, mais vous êtes possédé. Non, mais, de l'union. Amen. Si ce qui en toi ne dérange pas le sorcier, avec quoi? Mais il va te manger. Mon ami. Il dit, passe, je saute comme ça. Oh, non, il y a un homme, il est venu. Et deuxième fois, il est venu, mais il est venu. Oh, non, attends, il est venu. Vous savez quoi en vous? Il y a un libéré. Libéré, quand? À ce côté. Ce côté. Qu'il y a quoi? La première fois, il est sauté comme ça. Ah, c'est là, il est là, il est là. La deuxième fois, il est là. Ça, c'est le même pays, là. Il y a quoi? Il est où il est possédé? Non? Mon, il est là, il est. Tu es possédé. Débé, à Yéo. Démonte-toi. C'est qui en moi là, ça te dérange? Ah non, pas un dérange. Il y a une. Mais c'est qui? Lui, je suis le prophète. Ah, c'est là. C'est le prophète. Ah, mon quoi? Oui. Ah, c'est qui en toi là, c'est négatif? D'accord. Il passe près de toi. D'accord, vous pouvez. Tu dois être dérangé. Et là, il y a un problème. Si le Satan, le diable n'est pas dérangé, il va te faire un chien pour te manger. Ah, il y a un peu. Ce qui en nous est plus fort de que ce qui est dans le monde. Ce qui en nous est plus fort de que ce qui est dans le monde. Sauf cela, Élie, face aux menaces des prophètes de Baal, il était serré. Gardez la sérénité quand vous avez Dieu. Ah, ils vont vous attaquer les paroles. Mais ces mêmes personnes viendront un jour sur le pied. C'est quand Dieu, tu as Dieu, personne ne pourra te vaincre. Personne ne peut vaincre celui qui a Dieu en lui. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, cherche Jésus. Cherche Jésus. Quand quelqu'un passe ça, ça te remite. La première fois, il a banalisé. Il constate que le monsieur, c'est qui en lui est fort. Et la deuxième fois, il a donné le début. Il veut tomber. Il est tombé à ce que c'est. Donc il marche comme chat, vous dites. Ici. Oh, quand? Il est venu, il est temps. Il est venu, monsieur, où est possédé? Où est le démon? C'est qui en moi là, ça réduit les démons. Et il y a des démons. Parce que la Bible dit que ce qui en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Là, le sorcier vient et te touche. Et il y a un carbone. Tu tombes dans sa main. Il te presse ta main. Le petit Zali t'attache à l'arbre. Il te presse. Il te mange avec quelqu'un à Boudjanon. C'est-à-dire que tu es vaincu. Un bébé te mange. Il a bon bonhomme. Cherche Dieu. Dis à quelqu'un, cherche Dieu. Amen. Amen.
quelle que soit sa sorcellerie, il me dit rien. Amen. David avait une expérience avec Dieu. Il a dit face à, pendant que les gens les banalisent, il dit, ah, tu as fait à Goliath. Il dit, pendant que je faisais perdre le troupeau de mon père, je voyais souvent les ours venir. J'ai fait une expérience, je les ai tués, j'ai tué les lions. Donc ce monsieur ne peut rien contre moi. Parce que j'ai l'Éternel des armées avec moi. Quand Dieu avec vous, gardez la sérénité de mes patrons. Quel que soit le problème qui se présente à toi, il n'a pas peur. Il faut qu'il y ait un problème. Pour que Dieu puisse résoudre le problème. Ce qui t'arrive est un miracle déguisé. Permettez à Dieu de glorifier son nom dans votre vie. N'ayez pas peur de la sorcellerie. Plutôt, ayez Dieu dans votre vie. Et la puissance de Dieu, c'est ce qui attire toutes les bonnes choses. Quand vous avez l'onction de Dieu en vous, ça même ça tue l'argent. Oui. Parce que quand Dieu vient en toi, il envoie tout. Amen. Il envoie le mariage, il envoie tout. Il envoie tout. Quitte ses corps. Voilà, tu pars. Et maintenant. Au nom de Jésus. Tu la libères. Oui. Quitte son corps. Maintenant. Lâche-la. 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 Tu pousses ton dernier cri. Et tu quittes ce corps. Nom de Jésus. Lâche-la. Couche-toi sur ton dos. Voilà. Couche-toi sur ton dos. Obéis sur ton dos. Obéis. Je te cloue sur ton dos. Je te cloue sur ton dos. Et quitte ce corps. Quitte-la. Va. Mlé. Va. Mlé. Va. Mlé. Va-t'en. Mlé. Va-t'en. Mlé. Va-t'en. Mlé. Va. Mlé. Va-t'en. Mlé. Va. Mlé. Allez. 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 Va-t'en. Mlé. 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 Va-t'en. Allez, est-ce qu'on peut acclamer Jésus, c'est fini? Ok. On veut lui délivrer une grande enjeu d'âme. Nous c'est vite. Dis à quelqu'un vite. Dis à quelqu'un vite. Dis à quelqu'un c'est vite. C'est vite. Ah, chap. Chap. Nous c'est chap. Eh, tu as vu quoi? Qu'est-ce qui est sorti de toi? Un piton. Avant, tu avais tué combien d'hommes? 100. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? La délivrance du mangeuse là. Vous écartez les yeux pour y aller. On dit quoi, bébé? Elle fait petit déjeuner. Midi, elle mange. On dit bien ça. Le soir, elle mange. Aujourd'hui. Donc, tu sais qu'il y a un pouvoir au-dessus de ton pouvoir. Regardez, je vais vous raconter la compte. Avant, tu partais dans les églises. Et tu gardais ça dehors. Maintenant, ça va.
ils vont plus venir. Le jour toi-même, tu vas retourner prendre ça. Tu vas sous la terre. Dieu m'a fabriqué à cause de vous. Il y a un médicament de souris. D'où le Il y a un médicament de moustique. Il y a un médicament de sorcier. Partout il y a un médicament. Écoutez, moi. Voilà. Ça t'a fatigué un peu. Et le putain est parti. La gosia ziliwa wo. La gosia ziliwa. Mala gosia ziliwa wo. Comment tu les as tués? C'est le bruit de la femme de comment? Qui t'a donné la sorcellerie? Ma grand-mère. Quelle grand-mère? Elle n'est pas ici. Côté maman, côté papa. Côté papa. Elle donne la sorcellerie? Oui. Et tu tues les gens? Oui. Et tu gâtes la vie des gens? Oui. Vous venez d'où? Oui. Vous êtes d'Aïré? Vous faites quoi, Aïré? Hein? Quoi? Vous faites quoi? Je détruis ton pouvoir. Tu lâches son âme. Tu lâches son esprit. Lâche-la. Je détruis ton pouvoir. Dans le nom de Jésus. 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 Appelle-moi la bière. Viens, c'est là. Viens. Il faut lui dire que je vois tout à l'heure, pendant que j'ai prié pour la fille, j'ai une petite souris, la petite souris là. Qui, c'est son pouvoir. Bien. Voilà. Qui a reçu son coup là-bas et dans sa tête, dans sa langue, n'est-ce pas? Demande la bien là. Demande.
Henri, pas, s'il vous plaît. Hein, dis. Ils sont en train de soigner les malades. Alléluia. C'est des grands malades. Boukadoku. Comment peut-il réaliser cette fesse-là qui l'intéresse? On va t'envoyer la nuit, tu vois, il est pris. Toi, tu marches. Et non, 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 tu vois, elle est pris. Derrière les fesses, elle convoite les fesses. Mais pour mailler, c'est un sort djunglé. On peut tout dire. Elle fout tout nyam. Je détruis ton pouvoir. C'est le démon le plus dangereux. L'esprit de la sorcellerie. Pendant que vous l'attaquez, lui vous attaque. Moi non, je sais que c'est pas tout le monde qui va sur ce terrain-là. Ils vont parler dans les sorciers. Ah! Je ne mets pas ma tête là-bas. Si tu n'as pas eu cette tension, il te mange. Amen. Parce qu'après le délivrance, chacun connaît ce qu'il fait. Amen. Avant de rentrer chez moi, je brille tout. Avant de prendre ma voiture, je brille tout. Il ne peut pas me voir. Moi, je ne suis pas Jésus à cause de. Je suis Jésus parce qu'il est fort. Voilà. C'est pas un peu de dinar. Somme 35. Attaque ceux qui m'attaquent. Je suis désolé. Je connais ce qu'il y a en Jésus. Pourquoi tu as l'église comme ça? Le sorcier vous regarde même à l'église, mais vous mange. On vous prend, on vous met dans Kalimba. Le pasteur même, on casse ses yeux. Comment toi, pasteur, tu diris les gens, tu ne vois pas clair. Sors en train de manger ton cerveau. Comme des guerres. Des guerres. Le pasteur dit non, tu as mal de tête. Oh, c'est tumeur de cerveau. Sors en train de donner. Les gens qui ne voient pas clair. Je suis pas là à l'église parce que je suis là à l'église à cause de la puissance. C'est tout. Et bien, Jésus est puissant que je le suis. Il n'est pas puissant, il m'en fout de lui. Je meurs, il m'a en enfer. Je veux tuer ma mère paradis. C'est parce qu'il m'a montré sa puissance que je le suis. C'est ça que Jésus n'est pas la sorcellerie. Jésus est fort. Dis à quelqu'un, il est fort. De l'amusement. Amen. Je vais attaquer la sorcellerie. Je vois un serpent qu'on a mon bras vert. Attaque mon bras. Je le vois vis-à-vis. Tout le monde regarde. Tout le monde suit. C'est ma main. Je parle. Ça se défait. Ça tombe. Je tue. Je vous donne le pouvoir à mon nom de marcher sur les scorpions. Et si les serpents, et si toute la puissance de c'est pas dans la bouche, hein? C'est vis-à-vis. Vous voyez le serpent, un gars ici, il est terrible. Quand il voit ça dans le film, il a peur. Il est dans mon staff ici. On voit le monde dans la ville. Il va crier. Amen. N'ayez pas peur. Celui qui est avec vous est plus puissant que celui qui est de l'autre côté. Vous croyez pas ça? Amen. Donc quand tu dis reste tranquille, celui qui est là, mon garde-corps, tout est là. Tu as envie de manger, allez va au village t'as mangé. C'est pas moi. Tu as fait, allez va au village. Elle est plaisante, allez va les manger. N'ayez pas peur de la menace de la sorcellerie. La seule chose qu'il te faut, c'est d'avoir Jésus. Amen. Demandez au Seigneur de vous ouvrir les yeux spirituels.
Cousin. Aïe, feu. Cousin. Feu. Cousin. Elle aime jingler.